C'est bon ça, ça continue. Là, juste avant de démarrer la vidéo, le nord de France. CQ, CQ, CQ DX. Appel de 14, bravo Charlie, 33, 01 Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, du côté des environs de Saint-Émilion. La météo, c'est pas ça. Oh, je sais plus, 940. Ah non, je monte pas si haut. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 3301, qui fait QSY sur le 27625, de 625. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion. Et moi qui l'ai dit, qui fait QSY sur telle fréquence. Oui, il est 73, Rémi, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi. T'as ces cotons, il pleut ici, c'est pas évident. Voilà, ça y est, ça passe. Voilà, je suis sur une petite route de campagne, je m'en vais au pro. Bonsoir Rémi, 14 km 3350, opérateur Jérôme. Bon courage pour ta destination. Ok Jérôme, t'as vu comment tu m'arrives dans le push? Je pensais que t'étais beaucoup plus près que ça. 73-51 retourné. Ouais, et tout. Pardon. Tout à l'heure, j'ai eu depuis le QRA, j'ai eu un OM de la Belgique qui me disait que lui, il était sous le soleil. Eh bien, moi, il est parti en déconfiture de soleil ici. Ouais. Mais bon, il y a quand même un bon 20-21 degrés quand même. Ah, ben, il y en a qui sont mieux aussi que d'autres. Du côté de Saint-Émilion, mais là, tu pars de ton domicile, c'est ça? Oui, affirmatif. Voilà, et ben, si ça ne te dérange pas, là je suis en train de faire une petite vidéo que je vais travailler cette nuit. Donc tu pourras voir dedans comment ça passe. C'est une modulation très propre. Hein. Ah oui. Donc oui, je viens de démarrer du domicile, je travaille la nuit. Et là je m'en vais dans les environs de Saint-Émilion. Ouais, bien reçu, ouais, je me souviens ce que tu fais pour ce montage. Je vois pas bien le cadran, mais j'ai l'impression que là tu passes vraiment bien de mon côté. Je serais pas étonné que ce soit un Santiago de 7 par là. Bon oui, il y a des chances. Et là voilà, je suis en train d'arriver sur les hauteurs. Peut-être que là ça va mieux par rapport à tout à l'heure où j'étais dans un creux. Ouais, ouais.
ça passe à signal de 5,5 et une radio de 4, mais c'est largement compréhensible. Puis maintenant que t'as joué la radio, ça passe impeccable. Ah oui, et j'aime bien ta modulation là, c'est il y a un léger, très très léger effet d'écho derrière qui permet de, d'améliorer la modulation, contrairement à d'autres où là il y en a beaucoup trop. Là c'est dosé là juste comme il faut. Hein. Là c'est la bonne recette, hein. Hachi. Merci, les 73 à toi et bon QSO parachute, profite bien de la propague. Oui, le break, Clément 73, 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi en mobile sur les environs de Saint-Émilion. Alors vu que je suis en train de rouler, monter, descendre, c'est un petit peu les montagnes russes, Hachi. Alors j'ai entendu département 59, voilà ce que j'ai compris, les 73 51 retournés, 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi, Dandy 33 mobile. Voilà, donc là je m'en vais au pro là, dans les environs de Saint-Émilion. Ah bah là ça passe plein pour là ce coup-ci là. Là oui. Pour le signal, je sais pas trop, je pense que ça va être autour de 6, 7, 8 peut-être, autour de ça. Mais la même chose que le web que j'ai eu là juste avant. Voilà, et Radio 5, c'est une radio qui est plutôt feutrée. C'est-à-dire que la radio est super bonne, mais elle manquerait peut-être un petit poil d'aigu. Hachi, je serais pas étonné que ce soit le micro d'origine qui soit dessus. J'étais pas mal perdu là. Bon ben c'est pas grave. Du coup j'ai pas du tout retenu de ce que tu m'as dit. J'étais en grande partie perdu. Je t'ai entendu parler derrière, mais c'est tout pas plus. Ah ok. Ok. Vu que c'est pas très épais, plus c'est des bruits de bandes qu'il y a et tout ça, j'ai juste compris que tu passais en QRT. Les 73 retournés, 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi. Merci, bonne soirée, bon QSO. Plus personne apparemment. Bon, c'est le niveau de QRM que j'ai qui m'empêche d'entendre. Alors les filtres DSP comme j'ai de brancher au QRA entre le poste et le haut-parleur, et là sur le poste le filtre NRC qu'on voit dans le plancher, hein, le voyant là à droite. Ah c'est très bien, hein. C'est vrai que ça filtre bien le son, mais que le son. Il faudrait en plus que le filtrage du côté, c'est lequel qui est enclenché, NB, ANL, les deux, bon bref, de ce côté-là, soit un peu plus efficace pour nettoyer les QRM avant qu'ils ne rentrent dans le poste, si je puis dire ainsi. Autrement dit, descendre le niveau de QRM qu'on voit là sur le vu-mètre
à un point, parce que zéro, quand même, ce serait un peu beaucoup. Mais au moins à un point, quoi. Mais bon, en tout cas, le Georges II est un super poste. Et c'est un vrai poste CB. Débridé, certes, mais vrai poste CB. Qui n'a rien à envier aux autres postes 10 mètres radioamateurs. Je me situe à quelques kilomètres de la ville de Lille. Je suis à 15 km de la ville de Lille. Le petit bled s'appelle Fanampin, à côté de la ville de Seclin. Alors, si toutefois j'ai l'occasion de remonter et puis et passer par l'autoroute, l'autoroute du côté de Seclin, et bien, écoute, je suis juste à côté de Christian. Vous avez vu, deux coups rapides sur la touche F et je suis à terminer dans zéro. Retour Jeannot 14 perdu 928 pour le final. A bientôt Jeannot. Bye bye. Ben ce soir, j'aurais pas droit à jouer de coucher de soleil. Les passages étaient bons. Apparemment, c'est une propagation assez subtile. Ah, parce que, voilà, le prénom, il y a François, c'est ça? Toute la journée. Tout l'après-midi, c'est sûr. Au passage 58, hein. Les conditions d'amusement ici, Taquino, le PS850 SAT. Le micro, un petit micro studio de pas grande marque. Hein. C'est un micro studio de chez Amazon HC, la marque Neuer. Et l'antenne est une antenne verticale qui est la Sirio 2016. Voilà, Francis, tu sais tout. Bon là, faut plus que je touche le micro. Je me connais. Si je veux pas embaucher à la bourre.
Ouais, moi aussi, je suis avec le micro d'origine. Qui reste linéaire l'ampli. Donc rester en dessous pour pas saturer. J'ai le micro qui est à quoi ? À 3 doigts du lever de vitesse quand je passe la première. Enfin, même quand je suis en troisième. Donc des fois, ben, j'ai le pouce qui vient se mettre sur la pédale du micro. Mais non, elle est toujours là, la propague. Ah ben là je peux si, je crois que oui. E10 Gradioli, c'est celle-ci. Ah non, la propague est toujours là. Elle a simplement changé de direction. Voilà,
ground CQ-11, calling CQ-11, this is 178, how would you do? Roger, Dorsal 1, sur fréquence appel au 0-14, hôtel Delta Fox 0-19, 14, hôtel Delta Fox 0-19, le nom, le France, en73-51 tous, Dandy 33-14, bravo Charlie, 33-01 Rémi, et à la prochaine, je dois autant le regarder, non, c'est retombé là, enfin sur ce canal c'est retombé, ailleurs c'est toujours bien actif, Gilles t'es où? Les 73-51 de la planète Sibi francophone.